c'est comme ça que je commence mes vidéos YouTube. On est en plein tournage pour... Quand cette vidéo sort, ce sera déjà annoncé pour le nouvel arôme Mila Matcha qui sera à la cerise. Et donc on fait un petit tournage pour faire un petit teasing. Ça va être très... Je suis dans le sud, à côté de Manosque. J'ai les cheveux emmêlés là, faut que je me douche. Je suis partie à 5h30 ce matin. Je viens d'arriver dans la chambre, je vais vous expliquer. Je suis ici avec Rustan. Pour ceux qui ont regardé les précédents vlogs, vous savez que je fais pas beaucoup de voyages presse. Mais là, je suis contente d'être là, parce que regardez, juste l'endroit. C'est pas une chambre d'hôtel, c'est un appartement. Là, c'est quoi? Les toilettes. Non mais je vous jure que c'est un appartement. C'est un appartement, je viens d'arriver il y a 20 secondes. Regardez la taille de la chambre et comment c'est magnifique. Je vais vous mettre le nom, on va tout ouvrir. Oh, la nourriture. Et regardez l'endroit, pour le coup, honnêtement. Bon, je suis arrivée il y a 30 secondes, j'ai hâte de tout découvrir. J'ai vu des piscines, j'ai vu ce genre de choses. Donc j'ai hâte de voir, mais l'endroit est magique. Mais vraiment sublime. Pas comme moi. Faut que je me coiffe. Je suis trop contente d'être là. J'ai repris une petite douche parce que j'avais très chaud. Et on va aller au restaurant ce soir. Je vous ai pas trop filmé, mais en arrivant, avant d'arriver à l'hôtel, on est allé au Labo de l'Occitane que j'avais déjà fait. C'était super intéressant. On a eu des petits sneak peeks de nouveautés. Cette partie de la vidéo est en collaboration justement avec l'Occitane. Vous avez compris. Ça fait plus de 2 ans que je suis ambassadrice. Et cette marque, elle représente mon enfance, le sud, la Provence, mon père habite dans le sud. Et donc c'est vraiment toute mon enfance. L'Occitane, ça fait partie de ma vie, mais je pense que c'est vraiment partie de la vie de tout le monde. On a grandi un peu tous avec l'Occitane. Bref, aujourd'hui on va parler de la gamme Amande et c'est un peu le focus finalement de ce voyage parce qu'on va aller rencontrer le producteur d'amandes, voir les amandiers. J'en ai jamais vu de ma vie. Et c'est ma gamme préférée chez l'Occitane. Vraiment, c'est ma préférée. Bon, j'aime vraiment tous les produits. Enfin, je pense que j'ai jamais été déçue d'aucun produit. Et alors, quand je suis arrivée dans la chambre, j'avais une petite boîte cadeau. Et il y avait ça. C'est l'huile de douche à l'amande. Et vraiment, je sais pas si c'est le best-seller de chez L'Occitane, mais pour moi, c'est le meilleur produit chez L'Occitane. En fait, j'étais choquée parce que bah, moi, j'ai le format normal et je savais pas qu'il existait en énorme comme ça avec une pompe. Dans ma douche, il va être parfait. C'est vraiment un produit qui va venir hydrater votre peau. C'est une huile de douche nettoyante et nourrissante. L'odeur, ça sent cette vibe. Peignoir d'hôtel, peau propre, on sent bon. Ça sent cette vibe. C'est hyper agréable à utiliser. Ça se transforme en espèce de lait. J'adore. Mais là, on va appliquer, parce que je suis plus dans la douche, le lait concentré amande. Je crois que celui-ci, il est à 95%, si je dis pas de bêtises, d'ingrédients naturels. Celui-là, je vous jure, j'en ai tellement chez moi, avec le petit pot en verre. Ça sent... Mais non. Ça sent la même odeur que l'huile de douche. Je vais en mettre sur mes jambes parce que ce soir, je vais mettre une petite robe. Je suis vraiment dans ma période de robe colorée. Et pour ceux qui n'aiment pas, enfin moi, je fais clairement partie de cette team. Vous savez, quand on met de la crème sur le corps avant de dormir et qu'on colle dans le lit, etc. C'est une crème qui est à la fois, on sent qu'elle est hyper hydratante et nourrissante, mais elle colle pas du tout et elle pénètre super vite. Avec moi qui ai la peau super sèche et ça fait une peau tellement douce. Non mais je vous jure, oh, en plus j'ai les jambes épilées là, c'est incroyable. Ça fait une peau tellement douce. Je mets à peu près ça par jambe. Je pense pas que ce soit forcément recommandé pour ça. On n'a jamais parlé en tout cas, mais moi je l'adore en après-soleil parce que elle a un effet hyper frais que j'aime bien. Je vous jure que je sens le propre. Si jamais les produits vous intéressent, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Comme d'habitude, il y a tous les liens. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Si vous voulez avoir cette vibe d'hôtel, que je sens le propre, peau douce, c'est l'Occitane. Je vais me dépêcher parce que je vais mettre ma petite robe, je vais un petit peu ranger pour pouvoir aller dîner ce soir. Voilà, j'ai hâte. J'ai hâte de dormir. Il est genre 22h, je pense.
de quoi me rendre heureuse. Genre là, j'ai travaillé pendant tout le temps du train. J'ai fait des trucs que je dois faire depuis genre un mois. Mais qu'est-ce que je me sens bien quand c'est comme ça. Tout à l'heure, je suis arrivée dans la chambre avant de me préparer, j'ai un peu travaillé. Et là, je peux dormir et profiter. Demain, ça va être incroyable. On va rencontrer le producteur d'Amande de l'Occitane. Autant vous dire que vu que c'est ma gamme préférée, je pense que ça va être fou. J'avais rencontré le producteur de Lavande il y a 2 ans. Franchement, c'est trop intéressant. Donc j'ai hâte. Et l'après-midi, parce que en fait, je pense que demain, je vais essayer de vous vlogger l'hôtel parce que c'est un truc de malade. Franchement, il est incroyable et on va au spa. Petit massage, franchement, je sais pas si je mérite ça. Je pensais que cette robe allait être confortable, en fait elle me serre comme un boudin. Par contre c'est effrayant d'être là pendant 3 minutes et de s'éparpiller autant. Je comprends pas. Donc je vais ranger comme ça demain matin, je me réveille, je suis bien. Je vais préparer ma petite tenue. Je suis vraiment heureuse là. Aujourd'hui je suis heureuse, vous savez quoi? J'étais un peu stressée parce que j'avais plein de trucs à faire et partir, bon, t'as plein de trucs dans la tête. Et en cours c'est un peu difficile. Mais comme j'ai réussi à m'avancer dans le train, et bah je regrette pas d'être là. Vraiment ça m'a fait trop du bien, on a dit. J'ai discuté avec une scientifique de chez L'Occitane et j'ai trop aimé sa vision de la vie. Putain, et je crois que ça y est, genre je fais des vlogs de. Je crois que je fais des vlogs d'adultes. Ils m'ont mis des produits que j'ai jamais testé. J'ai jamais testé cette mousse. Ça je connais. Ah ça j'ai jamais testé. Mousse en crème nettoyante. Ok, ça dans ma douche. Oh, des cotons réutilisables démaquillants. Moi j'utilise plus du coton parce que je me démaquille dans la douche. Mais par contre, ils ont l'air vraiment bien. Un petit bandeau cheveux. Bon, il y a plein de produits. Franchement, je vais me doucher et vous allez plus entendre parler de moi. Ah oui, je vous ai pas raconté. Mon père habite dans le sud, donc autant vous dire que l'Occitane, c'est un peu toute sa vie. Et du coup, c'est un peu toute mon enfance aussi. Et c'est son anniversaire dimanche. Donc en fait, je rentre pas à Paris après le séjour. Je rejoins mon père pas très loin d'ici. Il vient me chercher d'ailleurs. Je le rejoins pas. Et en fait, c'est son anniversaire dimanche. Bon, je pense pas que je vais lui offrir que ça. Je vais aller lui acheter quelque chose. Mais je suis passée. En fait, tout à l'heure, on était au laboratoire. Je vous ai pas vlogué, mais c'était hyper intéressant et il y avait l'énorme boutique L'Occitane. Et ça fait des années qu'il me parle d'un parfum qui avait plu, qui machin, bref, qui me parle d'un parfum. Et du coup, il y en avait là-bas et j'ai pu en acheter deux et je suis trop contente parce qu'il va être surexcité. Cette nuit, je vais mettre celui-là, un de mes sérums préférés de la marque. Je vais me doucher et me coucher pour être en forme demain. Bonjour. J'ai mal dormi. Dites-moi si ça vous fait ça aussi quand il fait chaud. Mais en fait, non, c'est bizarre, il y a la clim dans la chambre. En règle générale, quand il fait chaud, genre quand il commence à faire chaud chez moi, etc., bah j'ai pas de clim, j'ai rien, donc il fait chaud. Je me réveille 150 fois par nuit. Et donc le matin, j'arrive pas à me réveiller. Et bah là, c'est ce qui se passe, mais il y a la clim, donc du coup, j'ai pas l'explication. Mais je me suis réveillée 150 fois et j'arrivais plus à me réveiller. J'ai fait l'erreur de ma vie. En fait, j'ai pas eu le temps de faire des machines et tout. Donc hier, j'ai donné, il y a la dame qui est venue dans ma chambre, je lui ai donné des t-shirts. Et je lui ai demandé genre si elle pouvait me laver pour demain matin. Et en fait dans ma tête il me restait genre mon t-shirt pour du jour. Comme ça bah elle me le donne aujourd'hui. Mais voilà quoi, ce sera prêt. En fait là je n'ai pas de t-shirt. Mais genre vu que j'ai rien pris, vu que je pars 3 jours, j'ai rien pour m'habiller. J'ai qu'une robe de soirée. Et j'ai rendez-vous là dans 30 minutes. Et genre il n'y a pas aucune indication de la réception. Genre comment appeler. S'il vous plaît dites-moi que vous avez mon t-shirt de laver. Si elle me dit que c'est pas prêt, on est dans la merde. Mais j'ai pas réfléchi, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai hier donné des t-shirts au pressing et on m'a dit qu'ils seraient prêts ce matin. Est-ce que vous savez à quelle heure? Ok, merci beaucoup, à tout de suite. J'ai trop hâte de voir le petit-déj. Genre, je me dis, vu comment l'hôtel est incroyable, j'ai hâte. Vous savez que là, je suis tellement blanche. J'ai l'impression que de ma vie, j'ai jamais été aussi blanche. Hier, j'avais ma belle robe et tout et je pouvais même pas me prendre une photo tellement mon corps ressortait blond. Ce week-end, je vais dire à mon père, on bronze. Là, ça va pas là. Ah, je suis en train de réfléchir. Faut pas trop que je me maquille. Parce que cet après-midi, j'ai un massage d'une heure. Mais franchement, je suis folle. J'ai trop hâte. Et après, j'ai un soin régénérant. Massage individuel de 30 minutes conçu pour détendre et revitaliser. Donc j'ai 2 massages. J'ai pas compris là. C'est incroyable. Donc du coup, je vais me faire un make-up léger. On va quand même me mettre dans la crème solaire. Parce qu'on va quand même dans des champs. Top. Vraiment là, je me mets en valeur. Vous savez que là, en ce moment, et c'est quand même pas souvent que je dis ce genre de choses, mais je me déteste. Je suis horrible et j'ai beau faire tout ce que je veux, ça marche pas. Oh, on rappelle pas la dame, ça commence à me faire flipper. Parce que je vous jure que là, du coup, je vais dans les champs en tenue de soirée, sinon ça serait dramatique. Je vais dire make-up léger, putain. Ce blush de chez Pat McGrath en teinte divine rose, c'est une vraie dinguerie. Là, dites-vous que j'ai un pinceau, genre dégueulasse, plein de fond de teint, etc. Donc, c'est pas l'idéal, mais juste vous prenez un pinceau, frottez là-dessus et comment ça s'estompe extrêmement bien. Vous en rajoutez, vous pouvez tout faire. La texture, elle est lunaire. C'est un produit incroyable, je vais le mettre tout l'été. Par contre, elle me rappelle pas, donc c'est mort, non hein.
My god, je suis à l'amour, je viens de regarder l'heure. Je vais la rappeler, hein. J'ai détesté faire ça, on dirait une forceuse, mais là ça fait longtemps. Je fais mes sourcils et je la rappelle. Parce que je vais finir en robe de soirée dans les champs. Bonjour, allô? Oui, bonjour. Excuse-moi de vous déranger. Petite question, j'ai appelé tout à l'heure pour le pressing. Je voulais savoir si vous aviez des nouvelles. Ok, super. Merci beaucoup. Tout va bien. Bon, mascara et je me casse. J'ai aussi oublié, mais c'est un truc de ouf, vous savez, j'ai oublié mon déo, mes élastiques pour les cheveux, donc là j'ai mon élastique que je mets pour dormir. J'ai oublié, en fait j'ai tout oublié, donc comme ça c'est plutôt simple. Donc je vais aller au petit-déj en rapide. Putain, j'ai oublié des ciseaux pour couper l'étiquette de ma robe. C'est pas possible là d'être comme ça, c'est un désastre. Bon allez, je prends mon petit-déj, sinon je vais le louper. Comme prévu, mais waouh, il y a trop de soleil pour filmer. Comme prévu, le petit-déj était incroyable, l'hôtel est fou, attendez, c'est fou. Tôt le matin comme ça, c'est trop beau. Ma chambre est tout là-haut. Normalement, c'est bon pour mes t-shirts. Ils vont me les livrer dans la chambre. Faut que je me dépêche parce que j'ai pas envie de mettre en retard le groupe. Et on va aller direct dans les chambres d'oublier. Franchement, j'ai trop hâte de voir. C'est l'heure du massage. Je me dépêche. Je vais me changer. J'ai hâte. En fait, c'est le spa L'Occitane dans l'hôtel. Apparemment, c'est le plus grand spa L'Occitane d'Europe. C'est magnifique. C'est trop beau. Le massage était incroyable. Et là, j'ai genre 45 minutes avant. Il y a un deuxième massage. C'est un vlog massage. Je vais bronzer pour la première fois de l'année. Voilà. Donc avec mon SPF 50, parce que vous me connaissez. Et là, je me rends compte. Enfin, j'ai trop l'impression que plus le temps passe, plus ma peau rougit de plus en plus au soleil. Je sais pas si c'est parce que maintenant je mets du SPF tout le temps, mais là quand on a tourné la campagne cerise, j'ai brûlé dans le dos, mais vraiment brûlé. Il y a une piscine trop belle, je vais aller là-bas. Je vois ce temps, je vous dis, mais moi j'habite pas dans le sud, sincèrement. En fait, les sudistes, c'est simple, on habite dans le même pays, mais on a une vie complètement différente. Ça me choque. Je crois que demain il va faire 36 degrés. Et vraiment, il y a 3 jours à Paris, il faisait 12 degrés. J'ai encore mis. Et vous voulez le front, je vlog pour mercredi. Vous me cédez vos droits d'image? Non. Contre du matcha, oui. Wow. Ok. Non mais attends, c'est un faux bruit, c'est pas possible. C'est comme ça qu'elle s'appelle pour s'attirer. On vous explique, tout le monde a trouvé des araignées dans son lit sauf nous. Donc on est traumatisés. On vérifie la chambre de Jodie d'abord, après je viens dans ma chambre pour vérifier. En fait on peut pas se retrouver seule. C'est dans ces moments là que moi il me manque tellement. Imagine en envoie une, je me tue. Non mais c'est... Je suis sûre qu'il faut regarder dans les rideaux là. Non là tu me dégoûtes. Je pense que je suis incapable de le faire. T'as laissé vraiment ouvert toute la journée? Grand ouvert. Mais qu'est-ce qui te passe dans la tête? J'ai pensé après, je me suis dit putain mais quelle conne. Ok, t'es prête? Non. Je te préviens si je hurle. T'as fermé là? Ouais. Ah oui. Non mais toi c'est sûr qu'il y a des araignées entre les dos. Arrête. T'es courageuse hein. Non mais par contre s'il y en a une, tu vas voir que je le serai beaucoup moins. Bon en fait j'ai plus peur de l'effet de surprise des araignées que des araignées. Il y en a une mais elle est mini. Arrête. Tu veux la... Ça tu peux la tuer toi ou pas? Moi je peux pas. Hein. Non moi non plus hein, je peux pas y toucher hein. Je veux même pas savoir. Tu fais quoi là? Avec tes mains? Ah mais je sais pas, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Tu me choques hein. Ah mais attends mais elle est où là? Elle était dans celui-là ou dans l'autre? Ah mais elle va sortir. Ah mais arrête. Par contre imagine il y a un monstre dans ta chambre. Arrête. Après moi j'ai pas ouvert hein. Go dans ma chambre. Oh, y'a une bête. Quoi? On regarde par terre. Oh ça passe. Je te jure que ça passe. Mais t'as laissé la fenêtre ouverte toute la journée. Tu t'attends à quoi? C'est que là genre j'ai chaud et tout. Je te jure devant ma porte, il y a une migale. Je peux pas te croire. T'es sûre? À gauche, je crois. Mais elle était dans le coin. Arrête. Elle avait un corps énorme. Non mais donne-moi ta porte, je vais voir si elle est là. Il me fait pas peur. J'ai vu ses. Non mais arrête. Non non mais par contre vraiment je peux pas. Vas-y, vas-y en première. Je suis choquée. Non mais vraiment. Je peux pas croire, vous l'ayez pas vu jusqu'au bout. Comme par hasard, dans ma porte, je vous dis, je vais être maudite. Ça va pas, c'est bon. Non, vas-y. C'est bon,
il n'y a pas d'araignée, mademoiselle. Non, mais tu peux pas. Attends, t'as pas regardé là. Et après, il y a le rideau. Ah, le rideau, très bien. Mais vraiment, là, je vais monter une entreprise là. Ouais, je te jure que je serai de la première cliente. C'est vrai? Ouais. Wouh! Y'a rien. Non, mais il se fout dans le rideau. Non, mais ma phobie sur terre. Je suis un peu gâchée ma nuit parce que si j'y pense, après, je suis tendue pendant 5 heures. Ah non, mais c'est une vraie phobie, c'est une horreur. Ça me terrorise, putain, c'est ouf. Tu te dis le truc qui va te dégoûter de ouf? Non, mais pas sur les araignées, putain. C'est un peu sur les araignées. Ah non, ça concerne ici ou pas? C'est comme ça quand on dort. Non, ah, oui, non, oui, je sais. Oui, oui, mais je sais pas si c'est vrai. Ça non, gros, non, s'il vous plaît. Je peux pas croire qu'elle était devant ma chambre, c'est fait exprès. Mais moi, j'étais dans ma prière, je faisais parler des bêtes. Retour de karma est dans ma douche. J'ai la photo, tu vois. Oh, je peux pas. Elle est énorme. Ah non, je peux pas, elle est énorme. Non, je peux pas. Vous savez que je sais pas si elle est horrible. Ah ouais? Non, mais tu te rends pas compte, je crois. J'ai une vraie phobie, genre. En fait, à partir du moment où tu mets le sujet des araignées, j'ai l'impression qu'il y en a partout. Mais alors, quand j'en vois pas loin, je me dis, c'est pourquoi il y en aurait pas. Moi, c'est magnifique. Il faut que j'aille à l'hôpital. T'es allergique? T'es allergique à tout, en fait? Non, juste aux araignées, aux concombres et aux mimosas. C'est tout. Là, je pourrais tuer pour genre qu'il y ait mon mec pour dormir avec moi. Tu connais sur deux chambres? Ah non, puisque t'as. J'avais la vie, hein. Vraiment, on avait encore, mais énorme marron, un peu. Spongieux. Oh le mensonge, ah, le mensonge est dégueulasse. Comment t'acheter, genre blanche et marron, genre. Ah mon dieu, dégoûte. C'est ça ta plus grande peur de toutes les peurs? Bah ça et le médical, mais. Et le quoi? Des insectes, tous les trucs un peu normaux, c'est vraiment les araignées. Et t'as la phobie du médical aussi? Ouais, mais genre extrême. Tu sais que j'étais interdit de cours d'SVT quand j'étais jeune? Parce que je tombais dans les pommes à chaque cours, juste parce que j'entendais les trucs. Je suis de retour dans le froid. Il fait 15 degrés aujourd'hui à l'heure où je vous parle. C'est une catastrophe. Je reprends le travail. Ce voyage était très cool. Ça m'a fait du bien de partir dans le sud. J'ai bien profité avec mon père. Donc voilà, j'ai bien profité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste des vidéos en semaine, le mercredi et le dimanche. Il y a plein de choses de prévues. J'ai trop hâte.